En vue d'intensifier ses actions en matière de communication, le département de la communication des technologies de l'information du Parti congolais du travail a échangé le 9 novembre à Brazzaville avec les membres du comité central et fédéral de Brazzaville pour mettre en place des stratégies communicationnelles fiables et les inciter à la création de nouveaux outils de communication pour donner l'information en temps réel aux membres du parti disséminés sur l'ensemble du territoire national. Le camarade Parfait Iloki était justement de mobiliser les troupes. D'abord tous les acteurs, les communicants du parti, les camarades du parti, pour qu'ensemble puissions définir une stratégie unique, se ranger en ordre de bataille pour d'abord répondre aux interrogations qui se font de façon permanente sur la toile, au niveau rural, voir de comment est-ce qu'on peut réarmer nos outils, de voir là où l'accès à Internet est beaucoup plus limité, comment s'adapter pour que l'information arrive à bon terme. Au cours de cette rencontre, le secrétaire permanent en charge de la communication du PCT, Parfait Iloki, a exhorté les militants à fournir des efforts pour booster la communication au niveau des réseaux sociaux à l'orée de l'élection de 2021. Les réseaux sociaux ont pris de l'ascendance sur le reste de la communication. Et donc, nous voulons nous mettre résolument au travail dans ce sens. Et dans quelques mois, nous allons aller à une grande échéance. Il est temps que nous organisions nos troupes de sorte que la communication soit structurée, organisée, méthodique et clairement établie pour aller vers un objectif bien précis. Cette rencontre des membres du comité central et fédéral de la communication du Parti congolais du travail s'inscrit dans le droit fil des attentes du 5e congrès ordinaire du PCT, celle de la fluidité dans la communication pendant la période électorale.